Hi, I just found this video, which was made 10 years ago when I did an interview with a French radio station, just after I moved to France. J'espère que je parle français beaucoup mieux maintenant. Berry Musique, Lionel Guiblin. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Berry Musique, toute la musique vue d'ici en live avec des invités autour de cette table, des musiciens, des artistes, des compositeurs qui nous viennent tout droit pratiquement. D'Angleterre, c'est un peu la particularité de cette émission aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Peter Marsh. Bonjour. Tout le monde. Pascal Frélon, donc alias Caloun, qui est avec nous aussi puisqu'il l'accompagne. Bonjour. Et puis Laurence, qui est là pour faire un petit peu la traductrice, parce que on va avoir quelques soucis. Peter Marsh parle un petit peu français, et moi, comme je parle très mal l'anglais, donc Laurence va être là pour nous aider. Donc ben, on vous souhaite la bienvenue à tous sur France Bleu Berry pour ce numéro du Berry Musique, et merci d'être venu avec vos instruments. Il y aura effectivement quelques morceaux en direct, en live, dans cette émission comme d'habitude. Et puis l'actualité autour de Peter Marsh, c'est tout d'abord un concert, une première partie d'Âme Quétainée, ce sera tout à l'heure, donc à 18h à Levroux, et puis un album en préparation, donc on parlera bien évidemment de tout cela, on découvrira quelques morceaux, tout cela dans cette émission. Alors, Peter, on va tout d'abord, on veut en savoir plus sur cette carrière impressionnante, parce que ça fait déjà longtemps que vous avez commencé à faire de la musique. Ça remonte à quelques années. je commence quand j'étais 20 ans. J'arrive à Londres. Je joue avec un groupe qui s'appelle Easy Street. Et après, j'ai fait 3 albums. Je travaille en Amérique et aussi France, Allemagne. Mm-hmm. Et après ça, je travaille avec Vangelis pour une période. J'ai fait 2 disques. Ça, c'est une... avec Vangelis. Une rencontre par hasard? Comment s'est fait cette rencontre avec Vangelis? Pardon? How did you meet Vangelis? Ah, j'étais une artiste sur Polydor Records. Uh-huh. Et Vangelis est aussi uh-huh. Avec Polydor Records. Et je fais une friendship. Une connaissance. Une amitié. J'ai visité le studio Nemo mm-hmm. à Londres. Et je chante sur un album pour Vangelis. Très bizarre. des morceaux parlés, mm-hmm. chantés. Très bizarre. Et aussi, je fais un disque pour Polydor avec Vangelis, was good success. C'était un succès. En Angleterre. Mm-hmm. Et après ça, je fais un album Blankets of Secrecy, qui is a solo album. How do you say? C'est un album en solo. Solo. Mm-hmm. Et aussi. Succès en États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Oui. Et après ça, je fais beaucoup de choses dans le studio. Je fais travail. How you say engineer? Engineer. Oui. Ingénieur du son. Sur studio. Mm-hmm. Pour enregistrement des albums. Faire argent, mm-hmm. to make money. Mm-hmm. Uh, and,
Et maintenant, j'arrive en France. Alors, 2007, vous êtes arrivé ici. Oui. Ça fait pratiquement 2 ans. Deux ans en France. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici, en Berry, particulièrement? On a trouvé une vieille maison. Du 17e siècle, très bien. Oui, 17e siècle. On est tombé amoureux. D'accord. Et donc, c'était une ruine. Et vous êtes en train de retaper un petit peu cette maison, c'est ça? C'est fini maintenant. Mais beaucoup de travail. Ah, oui, oui. Si c'était une ruine, effectivement, on comprend qu'il y avait beaucoup de travail. Donc vous aviez laissé la musique un peu de côté pour effectuer ces travaux, justement? Ou vous continuez à... Continue un peu. Je construis un petit studio dans la grange. D'accord. Je rencontre Pascal. Pascal, oui. À Valence, un petit concert à Valence. Il joue avec un groupe Tournesol. Je fais un bœuf avec. D'accord. Et c'est comme ça que s'est fait la rencontre. Quoi. Voilà. Très bien. Très bien. Il joue très bien. Merci. Un peu surpris, alors, Pascal, justement, d'avoir rencontré Peter Marsh. C'est quand même, c'est inattendu, oui. C'est inattendu, quoi, surtout en Berry, comme ça. En fait, c'est le hasard qu'on a proposé à Peter de jouer sur le Vrou, dans un endroit. Là. Et il avait besoin d'être accompagné, il ne voulait pas le faire tout seul. Et puis, c'est parti comme ça, en fait. Et ça s'est très vite, on est passé du live aux reprises et après à se mettre à composer tous les deux pour un projet en une année. Ça a été très vite. Là. Voilà, donc là maintenant, vous en êtes à la réalisation de l'album. Quoi. La réalisation, et puis voilà, puis on va chercher des concerts, on va essayer de faire. Ouais. De finir l'album. Et voilà. On écoute justement un premier extrait de l'album et puis on en reparle juste après. I'm Coming Home. Excusez-moi pour l'accent, c'est pas terrible, je sais. Très bien. Merci, Peter. Merci, Peter. Yeah, the wind's gonna blow and the rain's gonna fall. I'm feeling kind of low in the middle of it all. Been a long way down the road, and I still regret the things that I've done. I deserve what I get. Oh yeah. It's been a long way down the road, been on the wrong track. Nowhere left to go, there's no turning back. I'll carry this load wherever I am. It's the end of the road for this traveling man. The end of the road. I woke up this morning, the sky was all blue. I looked out the window and then I saw you. A picture and face that I'd left behind. The time and the place was so dear in my mind. The keys to the door are still in my hand. And you always said that you would understand. I'm heading back home to where we began. It's the end of the road. «
I'm Coming Home. Donc c'était Peter Marsh, notre invité dans le Berry Music. On découvre ce morceau qui fera partie de l'album, album qui sortira prochainement, on l'espère en tout cas. C'est en réalisation, Peter Marsh en compagnie de Caloun, donc Pascal Frélon qui l'accompagne à la guitare, et de Laurence pour nous aider pour la traduction. Alors Peter, comment on fait pour avoir une telle voix comme ça? C'est, on boit beaucoup de whisky, on fume beaucoup, c'est ça? Non, c'est toujours impressionnant, ces voix cassées comme ça, c'est, il y a un secret. Je ne sais pas, il a un hérisson. Un quoi? Un hérisson, hedgehog, non? Hedgehog. Il a adopté un hérisson. D'accord, d'accord. Donc, il y a non, pas de... quand j'étais jeune, je chante très... Je chante très en haut. Oui, oui. Et maintenant, je chante en bas. Un peu. Oui, oui. Comme ça. Mm-hmm. Oh, j'aime bien les chanteurs comme Joe Cocker. C'est ce que j'allais dire, oui, il y a un petit côté de Joe Cocker. les blues, John Lee Hooker. Mm-hmm. Mais je ne sais pas. J'essaie. De chanter avec feeling, sentir. Avec des sentiments. Mm. Et au niveau de l'écriture, donc, ça se passe de quelle manière? How do you write songs? Dans le studio, mm-hmm. Pascal, il a les idées avec guitare, ouais. les accords. Je chante avec, je coupais mm-hmm. sur l'ordinateur, enregistre beaucoup des idées, couper, reassemble. How you say reassemble? Rassembler. Oui. Et puis on arrive à faire un peu comme un puzzle. Les paroles arrivent mm-hmm. naturellement. Naturellement, oui. Mm-hmm. Donc c'est plutôt un travail d'équipe avec Pascal. Ouais. C'est vraiment teamwork with Pascal. Oui, oui, exactement. Mm-hmm. Et c'est good, c'est bon, une bonne équipe, je pense. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc plus la musique pour Pascal et les textes pour Peter. Moi les textes, je ne vais pas trop m'impliquer dedans. Mais des fois, je suis inspiré. Hein. Ma vie, il s'inspire des petites choses. Mm-hmm. Je pense que c'est comme ça. Et puis, ça donne... ça part. La musique, ça fait évoquer des images, en général. Oui, donc, ouais. Ouais. Alors, des fois, je lui évoque des images. Et au niveau des styles musicaux, vous partagez les mêmes goûts. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans ce projet. On est éclectique, ouais. On est éclectique, de tout. Oui. Ouais. Jazz, rock, pop, blues, country. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment... Influence. Mmh. Oui, c'est un mélange de styles. Donc là, effectivement, on a écouté une balade, mais il n'y a pas que ça sur l'album. Il y a des choses, bon, ouais. Plus jazz, on a parlé, blues, mmh. des choses qui tournent un petit peu autour d'un univers en particulier. Oui, oui. On essaie de séparer deux choses. Enfin, les morceaux à Peter qui sont déjà, il a les composés avant que je le connaisse. Mmh. Peut-être qu'on va en rejouer en live quand on jouera en concert, on les réarrangera à une sauce plus moderne. Ouais. Mais ce qu'on apporte maintenant, c'est un mélange de y a un projet plus jazzy, plus cool. D'ailleurs, on va vous jouer un morceau qui sera partie d'un album bien jazzy, avec des balades et des choses acoustiques. Et puis un autre, comme le dernier morceau qu'on vient d'écouter, c'est quand même une balade, mais c'est quand même rock, quoi. Mmh, c'est ça, mmh. Dans un but de faire des concerts avec une équipe de musiciens, quoi. Clavier, basse, batterie, etc. Voilà, parce que là, pour l'instant, l'album, il a été fait donc que vous deux. C'est vous deux qui avez travaillé sur ce projet. Ouais. Et donc, pour faire des concerts, il faut trouver des musiciens. Ils sont déjà trouvés ou vous êtes à la recherche On a une petite idée. Vous avez une petite idée, c'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir une petite idée. Donc, il y aurait quoi comme formation, apparemment? Batterie, basse, contrebasse Basse, contrebasse ou clavier. Je pense clavier, mm-hmm. Peter, on est assez d'accord là-dessus. Pas de deuxième guitariste, plutôt mm-hmm. que Peter joue de la guitare aussi. Donc je pense que ce serait quand même un clavier qui serait. On ferait 5, voilà. Mm-hmm. Bon. Ouais. Et là, donc tout à l'heure à l'œuvre, vous serez dans quelle formation? Un plus un. Donc, comme là, quoi. Ouais.
Donc c'est facile d'écrire comme ça, justement. On s'inspire souvent de son expérience pour écrire, oui. de sa vie, finalement. Donc on met un petit peu de soi dans ses chansons. C'est difficile ou il ne faut pas être trop pudique, finalement? Laurence, aidez-moi. He said that you use your own inspiration from your own life experience to write those songs. Oui, de temps en temps, et aussi l'expérience d'autres je connais. Mm-hmm. Donc il y a des gens quelquefois qui se reconnaissent en écoutant vos chansons. Mm. Recognize themselves when they listen to your songs. Oui. Oui. J'essaie de faire un peu ambiguïté et tout. Et ça vient facilement, vous avez une facilité d'écrire, ou quelquefois c'est un peu long, on remet les choses de côté, on s'y remet au travail quelque temps après. Do you feel you got an ability to write songs? Does it come to you easily? Oui, oui. Mm-hmm. Pendant ma carrière, j'écris beaucoup de chansons. Mm-hmm. Les autres chanteuses copiaient ma chanson. D'accord. Jimmy Ruffin, soul singer américain, il chante une chanson de moi. Mm-hmm. Et Nick Lowe, tu connais Nick Lowe? Nick Lowe, oui, oui. Il chante une chanson de moi dans un album Abominable Showman. c'est dans les années 80. Mm-hmm. Donc c'est la fortune, finalement, avec tous les droits d'auteur. Quoi? A fortune? Yeah, you must make a fortune with all those copyright. Non. L'album est en route, on l'a dit. Donc là, on en est où? Tout est enregistré. On fait un petit point. C'est où il reste encore quelques chansons. Là, on a dit cette chanson est toute neuve, celle que vous venez d'interpréter. Donc, il reste encore quelques chansons à mettre en place ou c'est déjà tout enregistré, Pascal? Non, parce que le projet quand même de balade, ce départ, on est parti là-dessus. Mm-hmm. On va continuer à travailler sur des choses assez douces, intimistes. Et pour le reste, les morceaux plus tard un peu plus rock et tout ça qu'on mettrait de côté. Peut-être qu'on en fera deux albums, mais bon, d'accord. On va en faire un pour nous qu'on vendra, enfin qu'on laissera sur le marché pour les concerts, qui constituera un peu de tout. Ça passera du coq à l'âne, des balades au jazz, au pur rock, au truc même à des fois très country rock. On va voir. Non, bon, c'est bien comme ça. Il y a de la matière pour faire plusieurs albums. Oui, c'est pas facile de caser tout ce qu'on aime dans un morceau. C'est sûr. Bah, surtout quand on voit la carrière de Peter, on se dit que bon, il y a pas mal d'expérience, donc il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Il y a de quoi faire plusieurs albums. On essaye de produire un album un peu éclectique, les styles différents, parce que plus intéressant. Mm-hmm. Intéressant. Regarde les Beatles. C'est beaucoup d'influence, style. Mais on va écouter justement un deuxième extrait. Je ne sais pas si ça fera partie de l'album, si, on est bien d'accord. Ouais. Every Step. Voilà. On écoute. Every step of the way, and every game that we play, we might think that it's okay, yeah. We must be careful every step of the way. Don't want to make the same mistakes, 'cause I know your heart aches. And if you think that it's okay, yeah, we must be careful every step
of the wave. Underneath the stars, there's a light that you will see. It will make you think your heart knows the score. And underneath the moon, there is one thing you must do. Just keep your heart out to yourself, 'cause nothing there is true. And don't keep closing the door. I know you've been hurt like me before. Every Step, donc Peter Marsh, notre invité dans le Berry Music, en compagnie de Calhoun donc et de Laurence pour eh bien découvrir cet album à venir. Donc Every Step avec là un contrebassiste, un vrai oui, Pascal. Il y a pas que des faux instruments. D'accord, il y a des vrais aussi. Et Jean-Charles Labouzé qui est de Vroux, donc connaît bien, qu'un ami dans France, donc qui joue dans ce morceau. Ouais. Voilà, et que vous retrouverez ce soir puisqu'il est aussi contrebassiste de Dame Quétenesse. On est bien d'accord. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, voilà. Donc, ce sont des rencontres comme ça, fort sympathiques, mm-hmm. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés lors d'un bœuf. Pour les autres musiciens, ce sera des rencontres aussi. C'est plutôt comme ça que vous recherchez des personnes pour partager un petit peu cette passion. Le côté, je vais parler Peter, moi, c'est le côté... fraternel, enfin qui passe avant tout, et puis il y a le côté musicien où voilà, on peut pas technique, il faut qu'on s'entende bien sur deux choses, quoi, sur humainement et puis surtout musicalement ça aille bien, parce que humainement c'est bien, mais c'est si techniquement c'est l'inverse des fois, donc faut annoncer un ensemble de choses, quoi, importantes. Donc c'est peut-être pas facile finalement de trouver. Non, c'est dur. Et quand on est comme ça avant, alors c'est vrai on que... On joue avec un batteur qui habite près de Tours. C'est difficile de... Mm-hmm. Déjà, oui, la distance en plus. C'était plus facile à Londres. Pardon ? C'était plus facile à Londres. Ouais. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué dans le Berry, effectivement. Il y a un petit peu de distance, pas évident pour faire un album. Mais bon, finalement, on y arrive, la preuve, ça se fait petit à petit. Et ce sera bientôt disponible. Il y aura un distributeur. Ça va se faire de quelle manière? C'est un autoproduit, de toute façon. Oui, pour l'instant. Mais vous cherchez peut-être un manager, vous cherchez peut-être une équipe pour... Je sais pas, je pose la question. Voilà, c'est surtout ça qu'on... Oui, on a un tourneur qui croit en ce qu'on fait, enfin un manager qui croit en ce qu'on fait, ce qu'on produit, qui a confiance en nous, et après, au niveau du reste du travail, on le fait nous, la production, le disque et tout ça, il y a de A à Z. Hein, ça, bon, on a un peu de métier de ce côté-là, donc on fait gagner du temps, je veux dire, aux personnes... Et après, on est prêt, on va dire, on constitue un groupe, ça va très vite. Une fois que les morceaux sont bien faits, bien arrangés, bien ficelés, ça va très vite. Oui. Là, on écoutait Every Step, c'est vraiment frais, printanier, c'est sympa, on siffle comme ça. Pour balader. Oui, c'est quelque chose... c'est fait. Fredonnant, ouais. Comme on dit. En anglais, on dit catchy. D'accord. Catchy. Bon. En français, je ne sais pas. Non, ça se traduit pas. Si, je sais pas. Catchy. Entraînant. Catchy. D'accord. Ouais. Bon. On l'attrape. Allez, un petit pot-pourri de reprises, parce que vous faites également sur scène des reprises. Voilà, c'est un petit clin d'œil à tout ce qu'on aime, faire guitare voix. D'ailleurs, deux trois reprises qu'on essaie de reconnaître. D'accord. Peut-être dire les titres, non? Non. Ah allez, bon? Allez, ça on y va. Blind test. À vous de reconnaître derrière votre transistor les titres que vont interpréter donc Peter et Calhoun. Donc Peter Marsh, Calhoun, nos invités dans le Berry Music. Petit pot pourri de reprise. Change your heart.
astound you. I need your loving like the sunshine. Oh, everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Mm-hmm. Change your heart, babe. Look around. Come on. Change your heart. The floor. I was feeling kind of seasick, and the crowd called out for more. Yeah, the room was humming harder as the ceiling flew away. Pourri de reprise, effectivement. Donc, on donne pas les titres, hein, puisque il faut nous appeler. Non, je plaisante. Vous avez certainement reconnu trois grands succès, qui ont fait le tour du monde, hein, avec les Corgis. Corgis, yes. Alors après, je sais pas si aussi Zucchero. Zucchero. Ah, Zucchero a repris aussi ce morceau. Très, très bon verse. Ouais. Benny King pour alors je sais pas si c'est la version ouais c'est ça oui. Et puis pour Colarome pour terminer oui. Voilà, on n'a pas dit les titres, hein, donc excellent. C'est bien. Oui, non, mais je savais déjà, donc et donc c'est vraiment quelque chose de plaisant de reprendre ces grands standards comme ça. C'est oh, j'aime bien chanter les belles chansons. Oui. My French. Mon français terminé. Il a tout dit. In English, alors. No, it's a pleasure. C'est un plaisir de chanter les standards de great, good, belles chansons. Oui, oui, les grands standards, effectivement. Ouais. Mm, ouais, aussi d'essayer de faire ouais. Une interprétation individuelle, ouais. Personnaliser l'interprétation, de faire d'apporter un petit peu son oui.
sa personnalité, quoi, d'essayer de, et puis de faire passer ses sentiments à travers cette chanson, c'est pas, oui, c'est un travail un petit peu particulier. J'essaye. Non, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Moi, je restais sous le charme d'ailleurs, oui, comme quoi. Alors ça, c'est des, quelque chose que vous faites également sur scène, Pascal. Ouais, c'est ce qu'on a, on a commencé à faire ça. Donc ça, c'était le début de composer, faire des évidemment, reprises. Ouais. Se connaître, et c'est la meilleure solution, c'est de trouver des choses qu'on a en commun, des goûts, des chansons. Donc c'est vrai, comme dit Peter, c'est s'approprier une chanson un peu comme si on a composé nous-mêmes un truc qu'on aime tellement. Parce qu'on, je pense qu'on joue ce qu'on aime surtout. On ne fait pas trop de concessions. Et puis c'est un peu un challenge de faire guitare-voix, quoi. C'est vrai. Si on arrive à faire passer une émotion, on a tout gagné, parce que après, bon. Voilà. C'est très exposé. Oui. Donc, il faut vraiment être en forme, tu vois. Oui, faut avoir la voix de Peter pour arriver à faire, mais voilà. Ça, c'est pas évident. Ouais, quoi. Voilà. Enfin, je suis Peter. Voix, quoi. Ouais, je le suis. Après, bon. Kaloun est caché derrière sa guitare, on le voit pas, mais on entend la voix de Peter, effectivement, qui apporte, qui pèse derrière et qui apporte tous ses sentiments à travers cette voix cassée. Comme ça, on a toujours beaucoup de plaisir à écouter. C'est un petit peu comme ces voix italiennes. On parlait de Zucchero. C'est vrai qu'il y a toujours un charme qui passe à travers ces voix, oui, un petit peu, oui. Comme ça. Alors, exactement. On va revenir à l'album, parce que c'est vrai que c'est quand même votre préoccupation première. C'est vrai que l'album, ça prend beaucoup de temps. La scène, c'est important aussi. Mais il faut avoir un support aussi pour proposer au public. On écoute un nouvel extrait, New Day. On peut parler de la chanson par album. C'est une nouvelle chanson ou c'est quelque chose déjà... C'est une nouvelle... Nouvelle chanson, ouais. C'était pendant deux mois, c'est a driving song. Conduire. C'est une chanson pour conduire. Pas pour boire. Hein. Il y en a pour boire, mais pas celle-là. Ah oui, il y en a pour boire. Sur l'album, il y en aura. Et Wistep, c'est un peu ça. Ça veut dire pas louper la marche, quoi. D'accord. Bon, là, c'est New Day, c'est autre chose. On l'écoute. New Day, Peter Marsh, notre invité dans le Berry Music, en compagnie de Pascal Frélon, Kaloun, qui l'accompagne à la guitare et qui compose. Donc vous composez tous les deux, l'un pour les textes, l'autre pour la musique. Donc cet album qui sortira prochainement, il n'y a pas de date, mais ça va venir, on l'espère en tout cas, on croise les doigts, mais c'est vrai que c'est... très agréable. La fin de l'année. Voilà, bientôt. Voilà, bientôt. D'ailleurs, si on veut des infos, il y a un MySpace. Alors, c'est Peter Marsh 36. Alors, Peter Marsh, c'est MARSH. Hein, c'est bien ça. D'accord. Pas CH, hein, c'est SH. SH. Voilà. 36. Et là, on a toutes les infos. On peut écouter les chansons, d'ailleurs. Et on peut en savoir plus, notamment les dates de concert. Mais le prochain, c'est tout à l'heure. Petite vidéo aussi.
Pardon. Il y a des vidéos aussi. Également, oui, absolument, avec avec notamment quelques morceaux qu'on a écoutés que vous retrouverez en vidéo, bien évidemment. Et puis ce soir, n'oubliez pas, c'est à 18h à Levroux, donc à la Tour de Levroux, hein, c'est ça, hein, où ouais. Il y aura concert donc d'Ame Ketenes avec en première partie Peter Marsh et donc et Kaloun. Vous serez que tous les deux, c'est ça. Ouais. J'ai bien compris. Hein. Bon. Ouais. Voilà. D'autres dates déjà, non, pour l'instant c'est voilà, c'est on en est là. Pour l'instant on attend de finir l'album et puis après on va voilà, après il faudra se complètement en programmation de festival. On va commencer à contacter les festivals plus près du micro, on va commencer à contacter les festivals via notre site internet, enfin MySpace, et voilà, j'ai proposé à Dark déjà. Bon, voilà, donc si tu écoutes l'émission, soyez bienvenus. Un petit clin d'œil à Eric, voilà, au passage. Si tu nous écoutes, voilà, bon, ça c'est fait. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de vous croiser donc sur une scène de la région, scène Berrichonne, pourquoi pas. Et peut-être plus loin, déjà dans un premier temps, le Berry, et puis après, on verra pour la région centre, et puis quelques premières l'Hexagone. Parties de la région parisienne, on va voir pour l'instant. On a quelques propositions. Ouais. Oui. Alors, nouveau morceau en direct. Ah oui. Blues. In the Mood. Donc là, c'est du blues. On est bien d'accord. Un classique. John Lee Hooker. On l'a dit tout à l'heure. Peter Marsh adore John Lee Hooker. Donc voilà. Hommage avec In the Mood. Peter Marsh et Kaloun. Peter Marsh et Kaloun, donc nos invités dans le Berry Music, vous les retrouverez tout à l'heure, hein, ils seront à 18h, donc en première partie d'Ame Ketenes, c'est à Levroux si vous voulez les voir en chair et en os et les applaudir très fort. Donc ce sera tout à l'heure à 18h. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter en avant-première cet album qui va sortir prochainement, et puis nous interpréter ces morceaux avec beaucoup de talent. Donc ça nous a fait vraiment plaisir, et on espère avoir de vos nouvelles
prochainement, bon, pour la sortie de l'album, et puis on l'espère, de nombreux concerts à suivre, tournées régionales dans un premier temps, et puis nationales, et puis après mondiales, hein. Allons-y gaiement. On vous le souhaite en tout cas. On va remercier également John Greves qui a fait la prise de son. Merci à Laurence également. Merci pour. Bah si, ça a été précieux parce que ça a été un petit peu difficile. Hein. On a eu pas de mal. Mais finalement, il parle bien français, Peter Marsh. Beaucoup mieux que moi anglais, c'est ce que j'ai dit. Mais je crois que. Non, mais c'est vrai. Bon, finalement, bravo. Merci beaucoup. Bravo pour tout. Et merci tout le monde pour écouter.